Célibataire, pas d'enfant, kinésithérapeute. Elle travaillait à la Thalasso depuis 3 mois. C'était la fille du propriétaire, Antoine Deville. Meurtre ou accident? Elle est morte noyée. D'après les premières constatations du légiste, la tête de la victime a percuté le bord de la piscine avant de tomber dans l'eau. Mais le coup l'aurait pas fait perdre connaissance. T'as jeté le jambon? Oh, il contenait un microfilm ou quoi? Non, parce que je te rappelle qu'il y a mes parents qui viennent aujourd'hui. Et là, parce que tes parents mangent pas de porc, moi j'ai pas le droit d'en avoir chez moi? Chez nous. Oui, oh, ça va. Tu vois, c'est ça qui m'énerve chez toi. Tu me demandes de respecter ta culture et tu respectes même pas la mienne. Mais c'est ça ta culture? Du jambon et du vin rouge? Mais parfaitement. Miss Caserne a oublié son échec avec la victime dans les bras d'un caporal. Ils ont un alibi torride jusqu'aux aurores. Ah bon? Parce qu'ils ont toute la nuit. Il a même pris des photos si vous voulez des preuves. Non, ça ira. À propos de photos, vous avez eu le temps de vous intéresser au bel échange de regards entre Madame Val et la victime? Relevé téléphonique de l'arrivée. Génial. Vous l'avez revu? Mais je vous avais pourtant... Je sais. Mais il m'a appelé et il avait des questions à propos... Moi aussi, j'ai une question à vous poser, Madame Tessier. Est-ce que vous voulez vraiment divorcer? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que tout était de sa faute, mais que c'était absurde d'en arriver là? Qu'il fallait tirer un trait sur le passé, qu'il avait changé, que tout serait maintenant différent? Eh bien, il ment! Ils mentent tous. Ils sont tous pareils. Dès que vous les mettez en face de leurs responsabilités, il n'y a plus personne. Ce sont des lâches. Des lâches et des menteurs. Très bien. Dans ce cas, parlons de ton emploi du temps la nuit du meurtre. Le soir du vernissage, t'as quitté ton poste 1 heure avant la fin de ton travail. Tu peux nous expliquer pourquoi? Je me sentais pas bien, je suis rentré chez moi. Ah, mauvaise pioche. Il y a des témoins qui t'ont vu te diriger vers la maison de l'âtre. Plus tu nous baratines, et plus tes chances de disputer ton combat s'éloignent. Mais peut-être que tu veux nous cacher quelque chose de plus grave. Camille Delattre avait découvert votre petit trafic. Si elle t'avait balancé, t'avais plus d'avenir, ni à la cristallerie, ni sur les rings. Alors tu l'as suivie jusqu'au manoir, t'as attendu que Lanier quitte sa chambre, pensant que c'est lui qui serait accusé, et tu l'as balancé par la fenêtre. C'est faux.